Et salut à tous, donc ravi de vous retrouver en Malaisie pour la 16e manche de ce calendrier 2016 avec un GP reculé par rapport aux années précédentes puisqu'on le retrouvait juste après l'Australie sur l'an dernier, sur les anciens calendriers. Et cette année, donc on le retrouve donc ici mi-octobre, toujours avec cette chaleur étouffante, toujours avec cette humidité dans l'air et toujours ces orages prêts à éclater. C'est vraiment un tracé absolument exceptionnel parce qu'il se passe des choses et il y a beaucoup de rebondissements. On a tous dans la tête un Grand Prix absolument exceptionnel de Malaisie. Notamment le dernier en 2013 avec cette fameuse histoire du Multi-21 Seb, où on se rappelle que Red Bull avait gelé les places hein, avec un Mark Webber en première position et un Sebastian Vettel en deuxième, et Sebastian Vettel avait désobéi aux ordres et avait donc doublé un Mark Webber absolument furieux. S'était emparé de la victoire et on se souvient absolument de cette tension incroyable dans cette pièce avant le podium, et un Mark Webber vraiment énervé. Et bien entendu ici c'est la pluie hein. On a vu que les organisateurs ont modifié le tracé justement pour évacuer l'eau, notamment le virage 15 hein, qui est assez étrange puisque on a vu qu'ils avaient surélevé le virage de l'intérieur, c'est-à-dire que le virage était surélevé de l'intérieur pour que l'eau s'évacue vers l'extérieur, donc au lieu que ça soit un bunking en fait, comme on a l'habitude de voir sur les tracés américains, eh bien là c'est vraiment un virage avec un bunking à l'envers, donc c'est assez impressionnant. Et donc du coup, eh bien, l'eau qui s'évacue différemment, hein, parce qu'ici qu'on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'orages à chaque fois. Et donc j'ai pris la Haas de l'écurie américaine, donc appartenant à Jean Haas, hein, tout simplement pour la simple et bonne raison, eh bien qu'elle a bien performé hein, ce week-end. Alors les qualifications viennent de se dérouler, donc je fais la vidéo. Eh bien Romain Grosjean est 12e, il a battu Esteban Gutiérrez. C'est assez incroyable, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de grands prix où le Français bataille avec la voiture et s'est beaucoup plaint du comportement du véhicule. À un point où Günther Steiner s'en est un peu mêlé et donc a eu une conversation avec le Français qui critiquait vraiment ouvertement cette voiture. Et puis miracle, eh bien a priori Romain Grosjean, de ce qu'on a entendu tout à l'heure dans son interview d'après qualification, eh bien a retrouvé une voiture plutôt sympa à conduire. Une voiture qui est arrivée eh bien première du reste des autres, on va dire du reste du monde, puisqu'elle a terminé devant les deux Toro Rosso, hein, qui étaient bien meilleurs que la Haas à Singapour. Elle a terminé devant la Renault de Kevin Magnussen, hein, qui a quand même performé malgré le gros incendie de vendredi en 14e position. Et puis bon, après, bien entendu, devant les Sauber de Ericsson et de Nasser, et aussi devant les Manor. Et on notera aussi que notre Français, hein, Ocon, a terminé devant Pascal Wehrlein, lui qui a pris une sacrée gifle il y a deux semaines à Singapour, s'est bien rattrapé en dominant son coéquipier allemand. Donc, avec un tracé donc modifié, et la Haas hein, sur ce tracé qui manque bien entendu un peu de puissance et de stabilité. De stabilité notamment dans ce dernier secteur. Alors le deuxième secteur de ce tracé qui est très sinueux hein, et qui va faire la part belle à l'appui. On a vu que Red Bull a encore pris le dessus sur Ferrari. Et même si Ferrari a été meilleur dans le premier secteur que les Red Bull, il n'y a rien à faire. L'aéro de la Red Bull est absolument parfait dans le second secteur, son châssis également. Et puis c'est là qu'on va voir que la Haas va perdre beaucoup de temps, notamment dans celui-là de virage 1 où voilà, on le voit ici, petite dérobade du train avant. Avec vraiment un dernier secteur ici en Malaisie très très compliqué, puisque c'est deux virages, notamment cet avant-dernier virage où il n'y a quasiment pas de repères et on a tendance à voir la voiture qui va à l'extérieur. Eh bien, il faut une voiture absolument stable, et puis c'est ce que Nico Rosberg n'a pas forcément trouvé ce week-end, et on l'a vu faire une dernière erreur donc sur son dernier tour qui a failli lui coûter eh bien, la première ligne, hein, puisqu'il aurait eu Max Verstappen devant, et on sait que voilà, ici dans ce virage 15 où il y a eu eh bien, plusieurs trajectoires possibles ce week-end, Nico Rosberg a fait une dernière erreur, hein, et ben, mine de rien, il récupérera bien entendu la deuxième place, il aura toujours la possibilité de gagner, car demain ça va être bien entendu stratégique, hein, puisque Lewis Hamilton a, je pense, un peu tapé dans son train de pneus avec lequel il va partir demain en Q2, donc le train de pneus d'un Q2 avec lequel il va partir demain. Donc ça va être forcément une course, ben, on l'espère, intéressante, surtout ici à Sepang. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, allez, salut à tous.